Bien, bonjour à toutes et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce workshop où nous allons aborder les échéances des contrôles réglementaires portant sur les équipements sous pression. Je suis Christelle Cugnet, je fais partie de l'équipe marketing APAV et je vous accueille aujourd'hui avec plaisir avec notre animateur Bernard Sommer. Pendant ce workshop sur les aspects pratiques, vous pouvez formuler vos questions. Vous disposez d'un module questions à droite sur votre écran. On est avec vous dans une logique de partage et d'échange d'informations, donc n'hésitez pas. Bernard répondra à vos questions et à l'ensemble de vos interrogations à la fin de la séance. À la fin du workshop, on procédera également à un sondage. Merci d'avance de bien vouloir y répondre, en sachant qu'on repartagera certains des résultats avec vous en direct. Je vous souhaite à tous un très bon workshop. J'espère que le son est de bonne qualité. Et puis Bernard, c'est à toi. Je te laisse la parole pour poursuivre. Merci. Merci Christelle. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je commence par me présenter. Donc Bernard Sommer. Je fais partie de la direction technique pression au niveau national et je suis personnellement basé à Strasbourg. Hein, donc avec une activité également sur Strasbourg et au sein de la PAV alsacienne notamment. Donc le contexte de actuel lié à la crise du coronavirus a beaucoup de conséquences, vous en connaissez un certain nombre que vous avez au quotidien, mais il y a également une conséquence importante sur les contrôles techniques de façon générale. Il y a beaucoup d'activités qui ne peuvent pas avoir lieu alors que réglementairement vous avez des obligations. Donc le gouvernement a réagi sur ces différents points, donc pas toujours. On les attendait parfois un peu plus rapides, ils n'ont pas toujours été, mais ils ont quand même fait ce qu'il fallait faire en termes de parution de textes. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des veilles réglementaires diverses et variées, et je pense que vous avez été assaillis durant toute cette période, vous avez été assaillis de textes, et je me mets un petit peu à votre place parfois. Pas toujours être très facile de trouver exactement les bonnes réponses à ces questions en voyant ces textes et leurs difficultés de lecture. Donc, il y a eu, pour la partie équipement sous pression, il y a eu trois textes importants qui ont émaillé ces derniers jours. Tout a commencé par une ordonnance qui a été rédigé le 25 mars et suivi de différents arrêtés ministériels pilotés par le ministère de l'Environnement. Donc, je tiens, en commençant, on parle beaucoup d'échéances réglementaires. Toutes les échéances sont actuellement basées sur l'état d'urgence sanitaire. Et les différents délais sont basés sur la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est actuellement fixé au 24 mai. Mais comme vous l'avez sans doute entendu, depuis quelques jours, on parle de prolongation de cet état d'urgence. Donc, les textes ne sont pas encore parus. Ils sont en discussion entre le Sénat et le Parlement. On parle d'un report de deux mois jusqu'au 24 juillet. Mais j'ai également vu une autre information où le Sénat proposait un report seulement jusqu'au 10 juillet. Donc, tant que ce n'est pas sorti, j'ai envie de dire, on va pas faire de calcul avec les nouvelles échéances, étant donné que c'est pas paru. Et dès que ce texte paraîtra, on vous fera, toutes les personnes connectées, on vous fera un petit mail pour vous informer des nouveaux calculs de report d'échéance que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier tout simplement. Donc, dans ce contexte-là, on va essayer de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez toujours exploiter vos équipements, évidemment, en toute sécurité. C'est quand même l'objectif principal. Éventuellement également, pouvoir redémarrer votre activité en fonction de l'état dans lequel se retrouvent vos entreprises. Il y en a certaines qui ont été arrêtées, d'autres qui ont continué leur activité. Donc, il y a un petit peu un florilège de situations. On va pouvoir également planifier de façon variable, adaptée, ajustée, les différents contrôles à réaliser. Tout ça pour vous permettre notamment de rester en conformité avec les différents règlements et notamment l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.
Donc, les textes qui sont parus, le premier texte qui est paru, c'est cette fameuse ordonnance du 25 mars, qu'on appelle ordonnance de gel. C'est-à-dire cette ordonnance qui vient du plus haut sommet de l'État. Hein, une ordonnance, c'est presque plus puissant, c'est plus puissant qu'une loi. Hein, c'est extrêmement puissant comme texte. Permet c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de gel. Tous les contrôles techniques ont été gelés par cette ordonnance. Pas seulement la pression, mais encore d'autres types de contrôles. Donc, cette ordonnance de gel a gelé tous les contrôles entre la date du 12 mars et la date du 24 juin. Alors, le 24 juin, c'est une date qui est un mois après la fin de l'état d'urgence. Donc, l'ordonnance gèle pendant un mois après la fin de l'état d'urgence. Ça, c'est le premier texte. Et ce premier texte, donc, il gèle tous les contrôles. Et il est applicable à toutes les sociétés. Donc, je vais commencer par la partie de certains d'exploitants qui exploitent des équipements, mais qui ne sont pas dans une ICPE soumise à autorisation. C'est-à-dire que c'est les différents textes en fonction de la nature des entreprises et du type d'équipement. Donc, déjà, à partir du moment où on est un exploitant d'un équipement qui est hors ICPE soumis à autorisation, le report, il est automatique. Donc, tous les contrôles qui doivent avoir lieu entre le 12 mars et le 24 juin, on a automatiquement un gel et automatiquement un report de ces échéances avec un petit calcul savant. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être à jour le 24 juin, mais à partir du 24 juin, vous rajoutez un certain nombre de journées avec un certain type de calcul. Hein. Donc, le calcul se fait, on vous a mis un petit exemple parce que c'est plus simple de donner un exemple concret qu'une longue phrase explicative. Donc, le calcul se fait à partir du 24 juin en ajoutant le délai compris entre l'échéance d'origine et le 12 mars. Par exemple, comme c'est précisé, un contrôle qui aurait dû être réalisé avec une échéance au 7 mai, le report est possible jusqu'au 19 août 2020. Tout simplement, le calcul, il n'est pas très compliqué. On prend la différence du nombre de jours entre le 7 mai et le 12 mars. On a 56 jours. Et on ajoute ces 56 jours à cette date du 24 juin. Ce qui fait qu'on a un report de ces échéances jusqu'au 19 août. Donc, c'est un calcul un peu particulier. Ce calcul va sans doute être modifié, comme je vous disais tout à l'heure, avec la modification de la fin de l'état d'urgence. Il y aura sans doute un rajout, je pense, donc on verra, mais sans doute d'environ deux mois. Mais à ce jour, c'est le calcul qui fait foi. Alors, un petit point important, là, on est effectivement sur les équipements qui sont exploités dans des sociétés hors ICPE, soumises à autorisation. Mais ce report n'est valable que pour les inspections périodiques et les requalifications périodiques. Parce qu'il y a un deuxième texte, un arrêté ministériel qui est paru quelques jours après l'ordonnance. Il y a un arrêté qui dit « tout a été gelé, nous on dégèle certaines choses ». Notamment, par exemple, les contrôles de mise en service et les contrôles après intervention. C'est assez logique d'ailleurs. Si on est en train d'exploiter un équipement, il faut le réparer pour une raison quelconque, et cette réparation nécessite un contrôle après la réparation. Ce contrôle, il faut le faire même si on est dans une société qui n'est pas ICPE. C'est un petit peu logique. C'est dans l'objectif d'avoir des équipements même réparés qui sont réputés sûrs. Donc, toute cette partie de report n'est valable que pour les inspections périodiques et pour les requalifications périodiques. Donc, pas les contrôles après intervention et pas les contrôles de mise en service. Si jamais vous voulez mettre en service un équipement qui est soumis à contrôle de mise en service, ce contrôle doit être effectué. Il n'y a pas de report à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux pour tous les exploitants d'équipements hors ICPE.
Ensuite, on a toute la partie ICPE. Tous les équipements sous pression qui sont exploités dans les ICPE soumises à autorisation. Donc, comme je vous disais, il y a l'ordonnance de gel. Derrière, il y a un arrêté ministériel de dégel. Donc, il dégèle deux choses, comme je viens de vous le préciser, les contrôles de mise en service et les contrôles après intervention, mais qui dégèle également une partie extrêmement importante. Hier, cette ordonnance, cet arrêté dit que le gel n'est pas applicable à tous les équipements sous pression, à toutes les inspections et les requalifications d'équipements installés dans une ICPE soumise à autorisation. Donc, eux, ils ont été dégelés et donc les contrôles doivent théoriquement se faire. Bon, ça, c'était l'arrêté ministériel de dégel. Là, il y a eu un petit problème qui s'est passé, c'est que une majorité, dont une grande partie d'exploitants ICPE, avaient un problème pour réaliser ces contrôles, pour faire réaliser ces contrôles. Alors, c'était jamais, ou alors à ma connaissance en tout cas, ça n'a pas été le cas, du fait de la PAF, par exemple. Nous, on se déplace à partir du moment où les gestes barrières sont respectés. Nous, on s'est déplacé. C'était pas les organismes qui voulaient pas se déplacer, mais c'est surtout les exploitants qui avaient du mal à préparer les équipements pour être inspectés et pour être qualifiés. Toute la partie démontage, arrêt de l'équipement, démontage, préparation aux inspections nécessite quand même un certain nombre de main-d'œuvre, une certaine proximité entre les personnes qui préparent ces équipements. Et dans les faits, c'est pas toujours possible. Donc, après cet arrêté de dégel, il y a un deuxième arrêté qui est arrivé, c'est l'arrêté du 9 avril, qui donne une autre possibilité à toute cette catégorie d'exploitants qui ne peuvent pas faire le contrôle, donne une possibilité de demander des reports d'échéance à l'administration. Alors, les reports d'échéance qu'on demande à l'administration, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, qui se fait dans la vie normale. Les entreprises, on n'arrive pas toujours à respecter les échéances, on demande des reports. Mais, de façon générale, quand on demande un report, en temps normal, c'est une procédure relativement lourde et longue. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande à la DREAL, qui elle-même transfère ce dossier au ministère de l'Environnement, et c'est une commission particulière et spécifique qui va traiter spécifiquement cette demande. Donc, en général, on arrive à des temps de traitement relativement longs, c'est des exigences assez importantes et la procédure est relativement compliquée. Or là, il fallait agir vite. L'administration dit, c'est pas possible de faire cette procédure, donc on va faire une procédure quelque part simplifiée. Et c'est l'objet de l'arrêté du 9 avril qui vous permet, si vous êtes en ICPE, de demander un report de délai de contrôle à la DREAL. Et ce report est traité directement par la DREAL, sans faire ce passage à Paris. Alors, pour que ce report et pour que cette demande soit déjà étudiée par la DREAL, il faut impérativement, et c'est écrit dans l'arrêté, donc c'est pas possible de faire autrement, que cette demande soit accompagnée d'un avis motivé, d'un avis d'un organisme habilité, notamment à PAV. Sans cet avis, l'administration ne va même pas traiter la demande. Alors, on a déjà traité quelques cas, c'est depuis le début. En toute honnêteté, ça se passe extrêmement bien. L'administration donne ses avis, donne ses reports de façon relativement facile. Alors, les reports, là, peuvent aller sur des périodes assez longues. C'est-à-dire qu'on peut rajouter 6 mois à la fin de l'état d'urgence sanitaire comme délai maximum pour avoir ce report. C'est-à-dire actuellement, au jour d'aujourd'hui, ces reports peuvent aller jusqu'au 24 novembre 2020, c'est-à-dire 6 mois après la fin de l'état d'urgence, avec, comme dit, peut-être une prolongation encore de 2 mois. Donc, c'est un point extrêmement important. C'est une opération qui se passe bien, qui est relativement simple, qui nécessite quand même une étude du dossier, effectivement, de notre part notamment, qui nécessite la vérification de la situation administrative de l'équipement, qui permet de vérifier les conditions d'exploitation, on vérifie qu'elles soient correctement respectées, correctement décrites,
Il faut en général proposer quelques mesures compensatoires en fonction du type d'équipement. Il faut proposer quelques mesures compensatoires qui peuvent être des examens en marche. C'est essentiellement des visites en marche, vérification des accessoires de sécurité. Ce type de mesures compensatoires sont nécessaires et sont en général demandées pour que les équipements puissent continuer à être exploités dans de bonnes conditions. L'organisme va faire quand même une visite sur le site, c'est-à-dire on est obligé de se rendre sur site pour voir l'équipement. C'est une visite extérieure de l'équipement, voir qu'il n'y a pas eu de soucis depuis les dernières échéances. On est quand même obligé de se rendre sur place, mais il n'y a pas de problème de respect des gestes barrières à ce moment-là parce qu'on n'a pas, à préparer l'équipement, il n'y a pas forcément un mainteneur qui est avec nous. C'est une visite qui peut se faire avec un accompagnateur et l'inspecteur APAV. Ces visites peuvent se faire dans de bonnes conditions. Et à l'issue de ces visites, eh bien, on va émettre un avis que vous transmettrez à l'administration pour avoir ce report. Alors, un petit point, tout ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, j'aurais peut-être pu un peu plus accentuer au départ là-dessus, tous ces aménagements, tous ces reports ne sont possibles que pour un équipement dont l'échéance est située entre le 12 mars et le 24 juin. C'est-à-dire que tous les équipements qui étaient en retard d'échéance avant le 12 mars ne sont pas concernés par toute cette présentation et par tous ces aménagements, étant donné que l'administration, et c'est normal, ne donne des aménagements que sur un équipement qui est à un moment en situation administrative conforme. Donc, s'il y a un équipement qui était à échéance courant février, par exemple, et pour des raisons diverses, le contrôle n'a pas pu être effectué, tous ces aménagements ne s'appliquent pas pour ces équipements-là. Donc, voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous présenter avec donc les cas particuliers que je viens de vous expliquer, tous les contrôles après intervention, les contrôles de mise en service, les équipements qui ne sont pas à jour administrativement ne peuvent pas bénéficier de ces aménagements. Dans ce cas-là, ben, la chose à faire, c'est réaliser les contrôles dans les meilleurs délais. Bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs APAV habituels qui pourront se déplacer pour effectuer les contrôles. Un certain nombre de contrôles ont déjà sont en cours d'ailleurs pour vous permettre d'avoir des équipements à échéance et en situation administrative correcte. Voilà, cette présentation du contexte réglementaire général est terminée, tout simplement. J'espère avoir été le plus précis possible. Je comprends bien que c'est pas très très simple pour comprendre tout ce phénomène et toute cette organisation. Donc on va vous envoyer un petit questionnaire, un petit sondage qui va arriver là. Pendant ce temps, j'en profite pour regarder vos questions. Je crois que certaines réponses ont été apportées au fil de l'eau. Donc je vais voir si le temps du sondage, donc on pourra répondre aux questions un petit peu plus tard. Ça voilà. Marche Bernard, je suis en train de publier les questions. D'accord. Donc, pour répondre au sondage, hein, vous cliquez sur les réponses concernées. N'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre le vote ».
Voilà, les réponses ont l'air de se stabiliser. Donc, pour vous donner un aperçu des réponses concernant les échéances de contrôle de vos équipements sous pression, donc pour 50%, un petit peu plus de 50% d'entre vous, donc effectivement, vous avez des échéances de contrôle entre le 12 mars et le 24 juin. Ok. Et c'est vrai qu'il y a de l'incertitude, semble-t-il, pour 20% d'entre vous. Ensuite, pour 77% d'entre vous, vous avez déjà, votre entreprise a déjà repris son activité. Et concernant vos installations, donc pour 60%, vous êtes tous concernés, donc vous êtes tous des installations classées soumises à autorisation. Donc ça, c'est des indications qui sont effectivement intéressantes pour nous, pour APAV. Et pour la plupart donc, des participants, on est sur des parcs d'appareils à pression plutôt compris entre 11 à 50 appareils. Voilà, Bernard, les informations que je peux te communiquer en direct. D'accord, merci. Donc, je vois effectivement un certain nombre de questions. Alors, je n'aurai pas le temps de les traiter toutes. Je vois que certaines ont déjà eu des réponses. Alors, j'en vois une qui m'a un petit peu sauté aux yeux. Où il y a une inquiétude sur la disponibilité des intervenants à part. À ce que je vois autour de moi et à la connaissance que j'en ai, au retour que j'ai, je crois qu'il n'y a pas de problème de disponibilité d'intervenants à PAV actuellement. Un certain nombre de sociétés, comme dit, n'ont pas fait, se sont arrêtées ou bien n'ont pas comme contrôle technique leur priorité. Donc, les inspecteurs à PAV sont, de façon générale, disponibles et complètement disponibles pour pouvoir faire les contrôles. Donc, il y a peut-être des problèmes à certains endroits. C'est pas impossible. Mais je pense que, de façon générale, tous les inspecteurs sont sur pied de guerre et sont prêts à aller faire les contrôles. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai vu une question sur un autoclave sous l'autorisation de contrôle en juillet. Ah oui, donc là, il y a une question donc avec des autoclaves qui sont non soumis à autorisation, doivent avoir un contrôle en juillet. Que va-t-il se passer si l'état d'urgence est prolongé? Bien, tout simplement, si l'état d'urgence est prolongé, ce contrôle, vous ne serez pas obligé de le faire durant la période de l'état d'urgence plus un mois, et auquel vous allez rajouter les jours entre le 12 mars et l'échéance. Vous allez pouvoir rajouter tous ces jours pour avoir l'échéance de contrôle, comme je vous l'ai indiqué tout au départ. Donc, dans une entreprise hors ICPE, c'est ce calcul-là qui va s'appliquer avec éventuellement la prolongation de l'état d'urgence, les deux mois ou les un mois et demi qui vont se rajouter à cela. Voilà, je crois que c'est à peu près tout comme question. Les autres, je vois que M. Longin a répondu au fil de l'eau. Voilà, l'exploitant ne présente que l'avis de l'organisme ou le dossier complet à l'administration. Effectivement, c'est une bonne question. Donc, si vous faites une demande à l'administration, alors effectivement, il faut bien sûr donner l'avis. Il faut également préciser pourquoi vous voulez. Vous ne pouvez pas faire le contrôle, donc donner un contexte très général. Donc, ils vont comprendre très vite pourquoi vous ne pouvez pas faire le contrôle. Mais il faut quand même l'expliquer de façon générale, rappeler un contexte, faire la demande, demander la date que vous souhaitez, jusqu'à quel report vous souhaitez avoir cette possibilité. Effectivement, il faut rappeler les caractéristiques de l'équipement. Envoyer tout le dossier de l'équipement, c'est beaucoup trop volumineux. Effectivement, en temps normal, vous devez envoyer tous les derniers comptes rendus d'inspection, comptes rendus de requalification. L'ensemble de la documentation ne sera pas demandé. Il faudra effectivement identifier l'équipement, peut-être joindre le dernier rapport de requalification pour dire que l'équipement est quand même en bon état, qu'il est correctement suivi, et l'accompagner de l'avis
de la vie de l'organisme, éventuellement des mesures compensatoires que vous allez mettre en place, qu'on va mettre en place ensemble en fonction du type d'équipement, et le dossier sera suffisant à ce moment-là. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à ce que j'en vois. Bernard, si tu le juges utile, il peut être intéressant que tu repartages de vive voix certaines réponses de Jean-Philippe Longin, si tu estimes qu'elles peuvent être utiles à tous les participants. Je les trouve parce que la liste est longue. Je vois une autre question intéressante. Donc, pour les équipements qui bénéficient déjà d'un report, peut-on avoir un deuxième report? Alors, c'est une bonne question. Étant donné que si vous êtes dans un premier report, ça veut dire quand même que l'administration vous a donné ce report. Vous êtes donc en situation administrative, et j'ai envie de dire conforme. Hein, vous n'êtes pas en infraction réglementaire. Donc, je pense qu'on peut mettre un report sur un report. Ça ne me paraît pas improbable. Et impossible de bénéficier de ce complément de report dans le cadre des arrêtés et de l'ordonnance et de ces arrêtés, à condition donc qu'on soit encore à jour du premier report. Si l'échéance du premier report arrive dans cette période, réglementairement, vous êtes à jour, donc je pense qu'on peut avoir un deuxième report, à condition bien sûr que l'équipement soit bon état, évidemment, quoi. Et je pense que la réponse est positive, oui, vous pouvez en avoir un avis. En tout cas, nous, on donnera un avis favorable. D'ailleurs, la question, je la connaissais. Et on va donner un avis favorable pour ce type de questions. Alors, Monsieur Longin a répondu à une question que je la retrouve. Quel est le délai pour réaliser une demande d'aménagement auprès de l'administration? Quel est le délai pour réaliser une demande d'aménagement auprès de l'administration? Donc, le délai à PAV, ça va très vite. Hein. On a traité certaines demandes là récemment, on les a traitées en 2 ou 3 jours. Hein. Donc, notre action, l'action de la PAV, elle est relativement rapide. On est très réactif pour ce genre de choses parce qu'on connaît la sensibilité du sujet. L'expérience que j'en ai localement, j'ai pas le retour sur toutes les DREAL, évidemment, mais l'expérience que j'ai de la DREAL que j'ai à côté de chez moi, les reports ont été accordés en moins d'une semaine. Les reports ont été accordés. Ils ont été extrêmement réactifs parce que je pense qu'ils sont bien conscients de la situation et ils ont été extrêmement réactifs à ce niveau-là. Donc, ça peut aller, j'ai envie de dire, ça peut aller très vite. Il faut pas tarder, évidemment, mais c'est des choses qui, je dois dire, se sont vraiment bien passées. L'administration a pris ça de façon a pris ça à bras le corps. Voilà, je pense avoir répondu aux questions, à moins que j'en ai loupé, mais je ne crois pas. Bon ben voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Bien sûr, vos agences APAV locales restent bien sûr à votre écoute pour traiter au cas par cas vos demandes, pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous accompagner dans cette période-là. Et vous pouvez avoir le replay de cette présentation un petit peu plus à tête reposée si vous avez des questions. Le replay va vous être communiqué. Et voilà, ben je vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup.